Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur LibreOffice version calque. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo formation comment je peux faire des calculs simples, type somme automatique, multiplication ou encore faire une moyenne ou voir quel est le nombre qui est le maximum dans une suite ou le minimum. Donc, ma version calque LibreOffice est la version 4.1.0.4 de LibreOffice. Pour faire l'exercice, voici un premier tableau où j'ai le prix des billets d'avion suivant les mois de juin, de juillet et d'août et pour différentes destinations, Paris, Venise, Londres, Barcelone et Genève. Ainsi, je peux voir que pour le mois de juin, pour aller à Paris, il fallait 800 euros, pour aller à Venise, 1500 euros, à Londres, 2000 euros, Barcelone, 2250 et Genève, 1150. Mais je peux voir aussi le prix pour Paris, au mois de juin, il était de 800 euros, en juillet, 1400 euros, et au mois d'août, 1850 euros, et etc. pour chaque destination. J'ai un deuxième tableau, où cette fois-ci, c'est le nombre de billets que j'ai vendus. Et on voit que j'ai toujours juin, juillet, août, les mêmes destinations, Paris, Venise, Londres, Barcelone, Genève, et comme mon billet de Paris, j'en ai vendu 360 au mois de juin, 270 au mois de juillet et 320 au mois d'août. Mais pour le mois de juin, j'ai vendu 320 pour Paris, 70 pour Venise, 140 pour Londres, 145 pour Barcelone et 65 Genève. Et dans ce tableau, je souhaite connaître le nombre de billets vendus au mois de juin et je mets le résultat dans cette cellule. Pour le mois de juillet, le résultat ici et pour le mois d'août dans cette cellule. Mais je souhaite aussi connaître pour Paris combien j'ai vendu de billets au total pour juin, juillet, août, pour le trimestre donc. Et je veux le résultat dans cette cellule et ainsi de suite jusqu'à Genève. Plutôt que d'utiliser Calque comme une vulgaire calculatrice en mettant égal et je fais 360 plus 70 plus 140 plus 145 plus 65, ce qui risque aussi de me faire des erreurs de saisie. Et de plus, si je modifie que je me suis trompé, c'est 170. Mon résultat reste toujours à 789. On peut utiliser dans ce cas calque avec les références des cellules. Donc je mets égal pour passer en mode calcul fonction. Et je peux utiliser 360 plus 70. Plus 140, plus 145, plus 65, mais en prenant la référence des cellules, donc c'est-à-dire en faisant égal C16, et il va aller chercher le contenu de la cellule C16, plus C17, en allant chercher le contenu de la cellule C17, plus C18, plus C19, plus C20. Je fais entrer, je trouve toujours 780. Par contre, si je viens modifier 70 et je mets 170, et je valide, je trouve cette fois-ci un résultat qui a été modifié en 880. Inconvénient de cette méthode, c'est que si j'ai 600 lignes, je devrais marquer chaque fois égal en allant cliquer sur la cellule. On peut utiliser une fonction qui est relativement facile, c'est la somme automatique. Donc je me mets ici dans la cellule où je souhaite avoir le résultat. Et dans la barre de formule, j'ai un petit signe sigma qui est la somme. Quand je clique dessus, automatiquement, il me fait la somme des nombres qui sont au-dessus. Et je peux, ainsi de suite, répéter mon calcul. Ce que j'ai fait pour les colonnes, je peux faire aussi pour les lignes. Mais là aussi, autre possibilité, une fois que j'ai fait une somme automatique, je peux utiliser ce qu'on appelle la poignée de recopie. Donc si vous regardez une cellule, elle est constituée de quatre côtés et aussi en bas, à droite, un point noir. Et quand je passe mon curseur, il change en petite croix noire, de flèche à croix noire, comme vous pouvez voir, ce qu'on appelle la poignée de recopie. Poignée de recopie va recopier la formule en faisant le décalage
soit vers la droite si je vais vers la droite, soit vers le bas quand je vais aller vers le bas. Donc ici, je vais aller vers la droite, je fais la poignée de recopie, et vous voyez qu'automatiquement, il a fait les calculs. Je fais de même la somme, je valide. Pardon, je fais la somme, voilà, je valide bien, et je peux utiliser la poignée de recopie en descendant. Autre solution aussi, c'est de cliquer n'importe où dans le tableau, de faire CTRL étoile, qui est le raccourci pour sélectionner un tableau. Donc si je suis dans le tableau, vous voyez qu'il a mis en bleu mon tableau. Si je suis en dehors du tableau, que je fais CTRL étoile, il ne sélectionne que la cellule. Donc je me mets bien n'importe où dans le tableau, ici par exemple, CTRL étoile, et je fais somme automatique, et mon tableau est terminé. En dessous, je souhaite calculer le chiffre d'affaires réalisé. Donc le chiffre d'affaires, c'est quoi? C'est si j'ai vendu des billets à 800 euros et j'en ai vendu 360, c'est 360 fois 800. Donc je me mets dans la cellule où je souhaite faire le calcul pour Paris au mois de juin. Je mets égal pour passer en mode calcul fonction et je vais utiliser 800 multiplié par 360, mais en utilisant la référence aux cellules. Je valide et je peux utiliser la poignée de recopie en descendant, mais maintenant je peux l'utiliser pour aller vers la droite. Je fais CTRL étoile, somme automatique, et voilà, le calcul est fini. Je descends un peu. Ici, je souhaite connaître quel était le chiffre d'affaires moyen au mois de juin, quel était le chiffre d'affaires maximum que j'ai réalisé sur une destination et quel est le chiffre d'affaires minimum que j'ai réalisé sur une destination. Donc, je me mets dans la cellule où je souhaite avoir le résultat de la moyenne. Je fais égal pour passer en mode calcul fonction et je vais écrire moyenne. Je trouve la fonction moyenne, je valide et je vais sélectionner la plage de cellules où je souhaite faire la moyenne sans prendre bien sûr le total. Je valide, je souhaite connaître le maximum, je fais égal max. Vous voyez qu'il a trouvé la fonction max. Je fais entrée pour valider et je choisis la plage de cellules où il va devoir chercher le nombre maximum dans une suite de nombres. Et vous voyez que c'est 326 250 dans cette plage. Je souhaite connaître le minimum, donc je vais écrire égal min, et vous voyez qu'il a trouvé la fonction minimum. Je fais entrée, et pareil, je sélectionne les cellules par un clic gauche dont je souhaite connaître le nombre minimum parmi tous les nombres que j'ai sélectionnés. Je fais entrée, je sélectionne la moyenne, le maximum et le minimum. J'utilise la poignée de recopie et je vais me déplacer vers la droite afin de recopier la formule. Et il a calculé ainsi la moyenne, le maximum et le minimum pour chaque plage de cellules au-dessus. Voilà, la vidéo formation est maintenant terminée. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Calc. Version LibreOffice.